Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est les blagues, pardon, ça commence bien, c'est les blagues à 1,05 € centimes. Voilà. Les blagues à 1,05 €. Alors, voilà, je vais vous lire les blagues. C'est Maurice qui raconte à Robert: tu ne sais pas ce qui s'est passé l'autre jour. Je vais aux courses à Auteuil, j'étais à la tribune et je voyais mal. Alors, à un moment, je me suis penché pour regarder, je tombe sur la piste et tout. Tu ne vois pas ce qui m'arrive à ce moment-là. Il y a un type qui vient, il me met une selle sur le dos, il me dit: monte dessus, sur ma vie, je te jure. L'autre lui demande: et qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait septième. J'ai fait septième. Ginette a trouvé un boulot, enseignante. C'est peinard, ils sont toujours en grève. Un jour, elle emmène les enfants voir les courses à Vincennes et leur montrer comment ça se passe. À un moment, les sixièmes, ce sont des tout petits, ont envie de faire pipi. Attendez, il doit y avoir des toilettes, leur dit Ginette. Alors, elle emmène les 30 gamins dans les toilettes de Vincennes. Elle surveille un peu, elle passe devant eux pendant qu'ils font leur petit pipi. Et tout d'un coup, elle en voit un qui est drôlement bien équipé. Alors elle lui fait: oh là là, dis donc, pour ton âge, c'est étonnant. Tu as de la classe, waouh, tu es en sixième. Là, le môme lui fait: je ne vais pas en classe. Je cours dans la quatrième et je monte Belle Épine. Et je monte Belle Épine. Voilà. C'est Ginette qui a trouvé un nouveau boulot comme employée de maison. Sa future patronne l'interroge: ma fille, est-ce que vous savez faire la cuisine? Ah là, ouais, je peux faire des œufs avec du jambon. La patronne: bon, c'est très bien. Et le repassage, ça vous fait pas peur? Non, non, j'ai l'habitude. Ah oui, je repasse les chemises de mon mec. Bon, et vous aimez les enfants? Ouais, j'aime bien. Oh là là, je préfère que monsieur fasse attention. Je préférerais que monsieur fasse attention. Voilà, encore une petite. Un copain était témoin d'une scène entre deux mecs qui discutaient sur un trottoir. Alors, et toi, le chômage, tu es touché? Moi, je suis pas touché. De toute manière, j'ai changé de métier. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vends des meubles. Ah, ben, c'est pas mal. C'est quel genre de meubles? Eh ben, c'est les miens, je vends les miens. Voilà, bon. Des fois, je les découvre en même temps que vous, hein, je précise. Voilà, je vous remercie tous et toutes de me suivre, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, les chevaux, ils sont pas là, je sais pas parce qu'il fait trop froid, mais je vous les montrerai la prochaine fois. Puis il y a des travaux en plus, voilà. Ok, alors merci beaucoup à tous et toutes. Ça me fait super plaisir d'être là, que vous me suivez. Demain, on est mercredi. Demain, on est mercredi. Je vais faire une vidéo sur le pervers narcissique. Et puis jeudi, je vais encore faire une vidéo aussi. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Bye bye, au revoir, merci. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner. Ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez activer la cloche de notification et vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Comme ça. Voilà. Et je vous ai tous dans mon cœur. Je vous aime tous. Bye bye à tous. Bye bye. Merci à tous et toutes. Merci.